What's up guys, welcome back to my channel. So aujourd'hui je suis back à Paris. Je viens d'arriver. J'étais avec mon fiancé, on a fait des courses pour le mariage. Et là on va juste manger. So j'ai décidé de faire un vlog parce que je fais plein de trucs sur TikTok. I'm back on Instagram, so je prends le temps juste de recommencer sur ma chaîne YouTube parce que comme I want to be a content creator. So, c'est ça guys, so, c'est ma première journée, je suis arrivée, j'ai pas un vlog comment je suis partie, j'ai pas fait tout ça parce que je savais pas si je voulais faire quoi. So, je vais rester ici jusqu'au 2 mai, so, you're gonna come with me, j'ai plein de choses à faire, j'ai même un mariage, so, vous allez voir, bisous, dis bye babe. Fuck. Il dit bye. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. So, là maintenant, on vient de chez la décoratrice. Pour juste finaliser les couleurs qu'on voulait finalement. Est-ce qu'on voulait faire des couleurs bleues? Est-ce qu'on voulait faire des couleurs blanches? Est-ce qu'on voulait. Ça a changé de la palette initiale que je voulais parce que j'ai changé comme 2-3 fois de couleur, de thème que je voulais. Mais là, comme on a 2 mois et demi du mariage, c'est comme fallait que je me mette et que je sois sûre de ce que je voulais. So, that's what we did. So, mon prestataire s'appelle AS Luxury. Ils font genre... Ils sont vraiment pro, ils sont vraiment nice. Comme la fille qui s'occupe de moi s'appelle Sarah, genre c'est la, comme co-founder. Elle est vraiment nice, vraiment patiente, toujours à l'écoute et tout. So, je suis vraiment contente. Hier, je suis allée, avant-hier, je suis allée à ma salle et au château. J'ai visité, je sais pas si je vais vous mettre des petits clips parce que je sais pas si je vais garder la surprise. On verra. Mais je suis allée, c'était beau, il faisait beau, c'était magnifique. Je suis tellement heureuse live parce que là je me rends compte que genre tout ce que j'ai préparé depuis 2 ans, ça commence à prendre forme. Je suis vraiment contente. Et pareil pour mon mari, ben, mon futur mari, il est vraiment hype aussi parce que genre lui il est tellement impliqué dans le mariage. So I love it, I love it. Et là il est quelle heure là? Qu'est-ce que je fais? Il est 1h19. Il est 1h19 et on est à Paris. Là, il est allé acheter un costume pour un autre mariage qu'on a genre dans une semaine. Et je suis trop contente, guys. So far, mon séjour à Paris, c'était vraiment genre pour les trucs du mariage à la mairie. La mairie, je peux encore aller, je vais aller cette semaine. J'ai mon test make-up le 28. La personne qui fait mon make-up s'appelle Philly. So, Get Glow by Philly. So, vous allez voir, je vais apporter mon vlogging camera aussi. Mais c'est pour ça que je vais vous montrer le look, donc je vais juste vous emmener comme quick pour dire comme oh, I'm doing this et tout. Là, je vais voir si ça ne dérange pas que genre je montre l'endroit où elle fait. La personne qui fait mes cheveux aussi, c'était Layato, elle aussi booked already been. Puis c'est ça, je suis vraiment contente guys, le temps passe vite, ça arrive, je suis stressée et j'ai vraiment décidé de comme vraiment vlog pour le reste chaque l'expérience et tout. So, comme je vous ai dit, là, 2 mois et demi, ma robe est en train de se faire. On a re-regardé encore les contrats, juste pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, parce que ça fait depuis 2020 que j'ai signé tous les contrats.
les caméramans, l'hôtel où est-ce qu'on va être. Trop nice, j'ai juste hâte de vous montrer, ça va être vraiment beau. Il fait tellement beau en France en ce moment, comme ça me donne encore plus la joie de vivre. I'm so hyped. So, yeah. So, je voulais vlog aussi, qu'est-ce que je faisais, parce que je sors souvent avec mon mari. Là, on fait des petites dates et tout, pas dans le temps, mais à Paris. Mais j'avais oublié ma batterie. J'ai oublié ma batterie chez moi, genre à 45 minutes. Et j'ai ouvert pour vlog, je voyais que ça marchait pas. J'étais comme, ok, what the fuck. C'est parce que ma batterie était pas là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai filmé pour mon TikTok. J'ai filmé des petits trucs, genre de la nourriture et tout ça. Je vais essayer d'incorporer ça. If not, I'm really sorry. Mais from now on, je vais bien faire ça. Quoi d'autre je voulais vous dire? Je suis juste trop heureuse là. Je suis juste trop contente. Ça a été une année quand même difficile pour moi là. J'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. Côté paternel, côté maternel, c'est comme ça a été hard pour tout le monde. Même le jour de mon mariage, le grand frère de mon père est décédé. So, c'était vraiment tough. C'était vraiment tough, mais on ne peut pas se décourager. On est les enfants de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est avec nous. On est en santé. So, c'est ça qui est important. So, that's it, guys. Pour l'instant, en tout cas, je vais revenir for sure après. Là, je pense que je vais aller manger un petit peu. Au restaurant. Yo, ma skin aussi, side note, ma skin est juste comme nice ces temps-ci. J'ai changé comme ma routine, j'ai changé, genre j'ai acheté des nouveaux produits et tout ça. C'est comme, I'm testing it out et j'aime vraiment ça. So, yeah, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais juste partager un petit peu. Si vous voyez que je parle pas pendant le. Si jamais je mets les clips de où est-ce que je suis allée au château de Neuville et tout ça, ben. C'est parce que finalement j'ai décidé de garder la surprise parce que je suis vraiment dans un entre-deux en ce moment. So, yeah. That is that. So, on se parle un peu plus tard, guys. Hello, guys. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. So, live, je suis désolée pour la qualité, je suis en train de filmer sur mon téléphone parce que j'ai oublié ma vlogging camera à Paris et en ce moment je suis à Montréal. So, je déménage à Paris dans 2 jours. So, je voulais juste vous montrer sur le processus. J'ai déjà fait les courses, j'ai reçu des cadeaux de mariage pour ma maison et tout. So, comme je suis en train de pack everything, so je sais pas si vous voulez peut-être me follow dans mon journey de passer de Montréal à Paris, how I feel, prendre l'avion, la pandémie, like everything together. Genre j'aimerais vous prendre avec moi. So, comme on va filmer de ici maintenant jusqu'à quand je vais arriver à Paris et tous mes premiers jours. Après je vais faire un vlog le jour de mon mariage civil. Juste pour l'expérience de mariage civil. Puis une semaine après, c'est enfin mon mariage religieux. Là, on est à moins 20 jours du mariage religieux. Je suis vraiment excited. Je planifie le mariage depuis 2020. So, 2 ans, changer des idées, changer les couleurs, avancer, reculer, ajouter des prestataires, enlever des prestataires. So, this is the most stressful thing I ever did in my life. Mais I'm really proud of it parce que là j'ai l'impression que comme ça commence à come together et on va faire quelque chose que j'aime vraiment et quelque chose que je suis vraiment satisfaite. So, si jamais un membre de ma famille regarde ça, je vous aime. Ma famille, mes amis, merci d'avoir été là depuis le premier jour dans la joie, dans la maladie, dans les pleurs, dans les deuils qu'on a eu. C'était une année vraiment difficile pour toute ma famille. So, je veux juste dire que je vous aime et merci. Et merci à mon fiancé. I love you. So, là, on va commencer. Okay, guys, so là maintenant, j'ai fini de faire les valises. Je vais vous montrer, ils sont juste là derrière moi. Je suis tellement fatiguée, j'ai la grippe, je me sens pas trop bien. So, je vais vous faire des updates demain. Là, demain, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste take care of me, mes eyebrows, shave, tout le reste et tout. C'est tout ce que j'ai à faire et je vais aller à l'église. Puis tout ça, mes nerfs et tout, je vais pas faire ici. Je vais attendre la dernière minute parce que je trouve que c'est un gaspillage d'argent de le faire 2 fois, genre. So, là, c'est ça que je vais faire. Donc, je souhaite une bonne nuit. À demain. Demain, je vais vous faire un room tour avec tout ce qui n'est plus. Tout ce que j'ai mis dans mes valises et tout. Donc, c'est ça, guys. Je vous aime, bisous. Hello guys, so là on est dans l'avion. J'ai une commande technique ici, je vais raconter ça quand j'arrive à Paris. Je suis avec ma soeur. Hello guys. Je suis avec ma soeur, so, on a
va embarquer, puis là on va bientôt partir, genre normalement le vol décolle genre dans 2 minutes. Puis moi je pensais que ça allait être un enregistrement posé, tranquille. On a eu tellement de péripéties, guys, on va vous raconter dès qu'on lève à Paris, mais là on est trop fatigué. So, je promis, j'ai dit que j'allais faire un vlog correct. So, là, maintenant, j'ai continué à kibok le vlog. Là, on est. Il y a des kids. Je travel avec Air Transat. Moi, ça travaille Air Transat. Et. Represent. So, c'est ça. On va dormir, se reposer, manger, tout ça. Puis, on va se revoir à Paris. L'important, c'est qu'on a un board et on est assis et on est safe. So, bonne nuit. Yeah, thank God pour le vrai. On va vous raconter tout ça, vous allez voir à quel point genre il n'y a rien de normal dans nos vies parce que c'est du tout match. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire, so à tout à l'heure. Hello guys, so on est finalement arrivé à Paris. On croyait encore que toute nos péripéties étaient finies, mais on arrive ici, il y a une valise qui manque. So là, on a atterri à comme 10h, puis il est genre 12h30. Ça fait de mon frère. Et ça fait de notre frère, ouais, c'est vrai. Et il a qui lui, sa mère vit, nous on est là en train de chercher les valises avec des oiseaux à l'intérieur de Charles de Gaulle. Mais bon, on a fait la réclamation, so là maintenant, on va chercher, on va sortir, on va partir, on va manger. Qu'est-ce qu'on va faire? So, yeah. I'm only here for 24 hours. Ouais, on est genre littéralement demain. At this point, tu peux juste être hôtesse de l'air parce que comme. I'm just gonna sleep and go. Yeah, it's ridiculous. So, on a 4 valises, mais maintenant on en a 3. À cause de ces bêtises. Tu peux aller devant moi. So, c'est ça, guys. Par ici. So. On est arrivé. Ah, mon mari est là. À tout à l'heure, guys. Hello guys, là, désolé pour ma coiffure et tout, genre, je suis fatiguée. Mais bon, là je suis allée voir Merlin, je suis venue acheter une douche. J'ai choisi la douche que je voulais, je vais vous la montrer tout à l'heure avec le bac receveur, whatever comment ça s'appelle. Receveur d'eau, so, c'est celui-là que j'ai choisi. Que ce soit transparent, c'est un peu comme ça, mais c'est juste qu'il n'y a pas ça, je vais vous montrer dans 2 secondes. So, je voulais faire juste un update pour continuer le vlog et tout, voir comment ça avance. On a acheté une peinture, je voulais une couleur crème comme ça, mais finalement j'ai pris du blanc, comme ça on va éliminer la pièce, et du marbre pour la salle de bain, un effet marbre pour la salle de bain, puis à l'intérieur de la douche comme ici. So, je vous montre ça dans 2 secondes. Hein. So, c'est ça la douche. So, ça ce sera la partie qu'on va voir, ça c'est à l'envers. Donc quand tu rentres dans la salle de bain de chez moi, normalement tu vois ça. Mais pour qu'il n'y ait pas de dégâts, je prends ce côté et le mettre ici. Ça s'ouvre, ça aussi j'ai acheté ça. Alors au pire, qu'est-ce que je peux faire, c'est pour que l'eau tombe pas, je laisse la paroi ouverte comme ça. La paroi, hein? Oui la paroi, whatever. La vitre ouverte, après quand je finis, je la remets sur le côté comme ça. So, quand tu rentres dans la maison, c'est ça que tu vois. Tu vois, c'est ça. Ensuite, pour le truc de douche, puisqu'on doit acheter un receveur, je pense que ça s'appelle. J'ai acheté celui-là tout en haut. Parce que Kevin est vraiment grand. Je ne peux pas acheter un truc trop petit. Je veux qu'il dépasse aussi. Tu sais, les femmes, quand on se lave, on se fait les cheveux, tout ça, comme j'ai besoin de trucs. D'espace plutôt, ça aussi je vais acheter ça pour le coup. Donc c'est ça, je me sens vraiment comme une tantine. Je me sens vraiment comme une tantine à faire le tour de Leroy et Marlin, mais genre I'm enjoying it, genre j'aime trop ça. So that is that, c'est aussi ça que je voulais vous montrer, les updates. Donc on va se voir à la maison, on va jouer à la maison. Et j'ai acheté de la peinture, je pense que j'ai déjà dit ça. So à tout à l'heure. Voilà. De quoi ça a l'air quand c'est tout vide. Ça, c'est les choses que j'ai apportées. L'aspirateur, je vais nettoyer une deuxième fois. J'ai déjà fait la première étape. So, c'est pas encore aussi propre que je veux. J'avais juste fait une première étape la dernière fois. Ça, c'est la chambre et tout. Et j'ai la cuisine. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Au début, Kevin disait que... j'exagérais. Et là maintenant tout d'un coup, ben, j'ai raison. So, rendez-vous pour la tête que j'ai en ce moment là, c'est pas cute. Mais bon, c'est
that, guys. You have progress. Hey, bienvenue. Hello guys! Genre, si vous savez toutes les émotions que j'ai vécues en 24 heures, vous allez jamais me croire, genre je vous jure, vous allez penser que je mens. Tellement il y a des choses qui me sont arrivées depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Là, mon père, ma soeur, mes autres frères et soeurs, ils sont tous arrivés. So that's where I'm going. Mais j'ai des choses. Ma décoratrice, comme initiale que j'ai book depuis 2 ans à Kenton en prestation. Oh my god, c'est la nouvelle que j'avais prise parce qu'elle ne pouvait pas fulfill une autre partie de la décoration au château. Et ben, elle va take over. So back to square one. Mais c'est un mal pour un bien parce que, genre, finalement, il faudrait que j'aime plus la deuxième. Mais, gars, je suis dépassée par les événements en fait. Désolée, je suis dépassée par les événements. Non, ça se fait pas. Genre, tout ce qui se passe là, ça se fait pas. Genre, les gens qui planifient leur mariage en 1 an ou moins, genre, on n'est pas du même but. Genre, je suis vraiment choquée. J'ai pas de truc encore, de truc pour la voiture, mais bonsoir. Je sais pas comment vous faites. Les gens qui. Non, je sais pas comment vous faites. Chapeau, je vous dis, je suis vraiment contente pour vous parce que vous êtes incroyable. Moi, j'arriverai jamais à faire ça. So là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer le processus de mon changement de prestataire radical. Mais bon, I'm gonna take you with me. Je dois aller là-bas payer une autre partie encore parce que là, vu que tout change, je dois lui payer de l'argent. Oh, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est the most stressful experience I ever did in my life. Genre, c'est juste the most stressful thing I ever did in my life. Et je n'y ai pas, genre, c'est vraiment, genre, pas possible. Mais je ne suis pas stressée moi-même as a person. Mais je suis juste dépassée, en fait. Juste comme, what the hell. À chaque fois, il y a un nouveau truc, tu vois. Mais, puisque les plus grosses choses, je les avais déjà figure out, la salle et tout ça. Je me sens quand même posée, je ne suis pas dans le stress total, je suis chill. Donc c'est ça, là je vais à l'aéroport, je vais aller faire mes ongles tout à l'heure, puis je voulais faire chez une fille, la fille n'est plus de place, mais finalement, quand je suis allée voir Déborah, c'est Deep Event, elle fait le service des serveurs et tout, si vous la connaissez tant mieux, ben, sa soeur fait les ongles, donc elle va faire les ongles tout à l'heure. Et après, moi, je turn off my phone et genre, on se voit seulement demain parce que mon match civil, c'est dans 24 heures. So, enfin, on arrive à la dernière ligne. Là, je commence à m'énerver. So, I feel like qu'on est enfin arrivé où est-ce qu'on devait. So, c'est ça. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Il fait beau, il va faire beau au mariage. Tout va bien se passer si Dieu le veut et Dieu le voudra. So, yeah, je suis quand même de bonne humeur. Hier, vous avez vu ma mère arriver avec ma soeur et tout. C'est comme si vraiment cute. Yeah, j'arrive même pas à croire que je fais encore le vlog tous les jours depuis que je suis partie du Canada. Parce que d'habitude, je commence, c'est pas beau, hein, si c'est trop chaotique. Mais là, je suis juste comme, je vais vous montrer every single day. Là, vous voyez, j'ai l'air put together et là, j'avais l'air folle avec mes cheveux. Genre, parce que j'avais pas le temps d'arranger correctement comme je voudrais. Mais là, tu vois, c'est cute. Je suis bien foulard et tout. Là, bref. Je vous dis à tout à l'heure. Je filmais quand je vais clairement être aux ongles. Ok? So, I love you guys. Là, je suis sur l'autoroute. Je vais peut-être mon screen, le recording. Mais ça, je voulais juste vous donner des quick updates parce que si je vous donne pas des updates comme je fais live, je vais oublier plein de détails. Mais sachez que après ce vlog, je vais vraiment faire un story time de tout le mariage, comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin, toutes les folies que j'ai eues. So, je vous aime. Yeah.
Alors. Oh, merci, mes amours. C'est bon? C'est quoi le code? Donc, ma soeur et moi, on est là. On attend le reste de notre foyer parce qu'ils sont toujours en retard. Anna et moi, on est les prêts. Mamie, tu veux filmer, voir comment je suis? Tiens, ça, comme ça. Tu vois comment je suis? Je suis en bas! On marche comme tous les jours. Marie, dis-moi. Mamie? Je marie ma fille. Non, à moi, c'est aussi les papas. Aïe! Mais je t'avais mis ça derrière. Ah, okay. C'est tombé? Non. Chez nous aussi. On va aller, on est en train d'aller voir les cheveux là comme ça.